Dévergondé. Filou, gredin. Comment as-tu pu? Comment avez-vous pu? Insolent! Je vous avais ordonné de partir, jeudi dernier. Il n'y avait plus de place dans la chaise poste. Il ment maintenant. Vous mentez! Dois-je comprendre que votre grandeur n'est pas entièrement satisfaite de mes services? Ses services? Il ose parler de ses services. Jamais je n'étais si mal servi! Et jamais moi je n'ai eu tant de mal à servir. Qu'est-ce que vous avez dit? Disparaissez, filez! Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous! Ni moi non plus avec votre grandeur. Monseigneur, demain, j'aurai l'honneur de vous envoyer ma démission. Ça ne va pas, monsieur. Il tremble. Qu'est-ce qui vous arrive? Je l'ai fait. Je l'ai fait. Monsieur, vous avez mal. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais lâchez-moi, monsieur. Lâchez-moi. Si vous êtes malade, allez-vous coucher. Je l'ai fait. Monsieur l'organiste et concertman. Qu'est-ce qui vous prend? Il me prend que j'ai envoyé une lettre de démission ici même. Il me prend que j'attends depuis plus de 8 jours la réponse. Pour une bonne raison. La lettre, je l'ai gardée pour moi. Mais de quel droit? Du droit de l'amitié, Mozart. Vous faites une bêtise. Et un ami, c'est quelqu'un qui est là pour vous empêcher de faire des bêtises. Est-ce que vous vous rendez... Vous êtes tout ébloui par quelques compliments, par quelques femmes du monde, toujours prêtes à se pâmer mais pour n'importe quoi. Demain, elles se pâmeront pour un autre et elles vous auront parfaitement oublié. Croyez-moi, rien ne vaut un emploi stable, solide, même modeste, mais sûr. Vous ne croyez pas si bien dire. Votre père, en effet, m'a écrit. Il m'a supplié d'obtenir le pardon de sa grandeur. Qu'est-ce que vous dites? Vous vous êtes tous ligués contre moi, tous! Vous! Mon père! L'archevêque! Vous vous êtes tous ligués contre moi, hein? Arco, je vous regarde, et je vous reconnais, vous êtes comme eux. Vous avez le même visage! Celui du pouvoir, celui de l'oppression, de la haine, de la liberté, et celui de la peur. Rosa, vous perdez la tête. Vous pouvez dire à mon père... Bon, très bien, je l'enverrai votre lettre, dès demain. Pourquoi demain? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en plein délire, je vous laisse encore 24 heures. Mais moi, je n'ai que faire de vos 24 heures. Mais enfin, Rosa, moi aussi, tout compte que je sois, j'encaisse des affronts, des avanies. Monsieur le comte, vous avez peut-être des raisons de vous laisser marcher dessus. Moi non, Rosa. Je ne vous permets pas. Vous êtes allez, non. Allez, les chiens, sortez. Mais Rosa, Rosa, moi pas.